بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Exercice numéro 16 sur le cours du produit scalaire niveau tronc commun l'année scolaire 2020-2021. OIJ est un repère orthonormé et IJ une base. Soit les points A de coordonnées 2, 4, B de coordonnées 5, 1 et E de coordonnées 2, 1. Petit a. Calculer le produit scalaire des deux vecteurs AE et AB. Petit b, montrer que le vecteur OA, EA est orthogonal au vecteur EB. Petit c, calculer une mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs AE et AB. Prenez votre cahier des exercices, copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Maintenant, on passe à la réponse ensemble. Réponse. Petit a, calculant le vecteur AE scalaire le vecteur AB. Je vais chercher les coordonnées du vecteur AE et les coordonnées du vecteur AB et puis j'utilise la propriété qu'on connaît déjà qui nous sert à calculer ce produit scalaire. On a le point A qui a pour coordonnées 2, 4. Le point E qui a pour coordonnées 2, 1. Donc, le vecteur AE a pour coordonnées 2 moins 2, c'est 0, 1 moins 4, c'est moins 3. Passons maintenant au vecteur AB. Le point A a pour coordonnées 2, 4. Le point B a pour coordonnées 5, 1. Donc, les coordonnées du vecteur AB sont 5 moins 2, qui est égal à 3, et 1 moins 4, c'est moins 3. D'où, le vecteur AE scalaire le vecteur AB est égal à l'abscisse du vecteur AE fois l'abscisse du vecteur AB plus l'ordonnée du vecteur AE fois l'ordonnée du vecteur AB. 0 fois 3, c'est 0. Moins 3 fois moins 3, c'est 9. Donc le résultat, c'est 9. Petit b, montrons que le vecteur EA est orthogonal au vecteur EB. On a le vecteur AE qui a pour coordonnées 0, moins 3. Et vous savez que le vecteur EA, c'est l'opposé du vecteur AE. Donc le vecteur EA a pour coordonnées moins l'abscisse du vecteur AE, c'est-à-dire moins 0, c'est 0, et moins 3, c'est 3. Bien sûr, ça, c'est l'ordonnée de ce vecteur. Donc, on prend tout simplement l'opposé de son abscisse et l'opposé de son ordonnée pour trouver l'autre vecteur EA qui est l'opposé du vecteur AE. Le vecteur EB a pour coordonnée XB moins XE, YB moins YE. Donc, le vecteur EB
a pour coordonnées, je cherche les coordonnées, donc xb moins xe, c'est-à-dire 5 moins moins 2, c'est 3. yb moins ye, 1 moins 1, c'est 0. Et maintenant, je peux calculer facilement le produit scalaire des deux vecteurs EA et EB. Donc, ou bien d'où le vecteur EA scalaire le vecteur EB est égal à l'abscisse du vecteur EA, c'est 0, fois l'abscisse du vecteur EB, c'est 3, plus l'ordonnée du vecteur EA, c'est 3, fois l'ordonnée du vecteur EB, c'est 0. Ceci est égal à 0. Conclusion, le vecteur EA est orthogonal au vecteur EB, puisque leur produit scalaire est nul, est égal à 0. Petit c, calculons une mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs AE et AB. On a le produit scalaire des deux vecteurs AE et AB est égal à la distance AE fois la distance AB fois le cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs AE et AB. Et maintenant, je vais chercher la distance AE et la distance AB. Et je connais déjà le produit scalaire des deux vecteurs AE et AB, bien sûr qui est égal à 9. Donc je vais d'abord chercher AE. AE est égal à la racine carrée de xe moins xa le tout carré plus ye moins ya le tout carré. J'ai les coordonnées du point A qui sont 2 et 4. Les coordonnées du point E sont 2 et 1. Donc ceci est égal à la racine carrée xe c'est 2 moins xa c'est moins 2 tout carré plus ye c'est 1 moins 4 le tout au carré. C'est 0 carré, la racine carrée de 0 carré plus moins 3 le tout carré. Donc moins 3 au carré c'est 9, la racine carrée de 9 c'est 3. Donc la distance AE est égale à 3. Maintenant, la distance AB. La distance AB est égale à racine carrée de XB moins XA le tout carré plus YB moins YA le tout au carré avec A qui a pour coordonnées 2, 4. B qui a pour coordonnées 5, 1. Donc ceci est égal à la racine carrée XB c'est 5, 5 moins 2 c'est 3. Donc c'est 3 au carré plus YB moins YA. 1 moins 4 c'est moins 3. Moins 3 le tout au carré. Donc 3 au carré c'est 9, moins 3 au carré, le tout au carré c'est 9, 9 plus 9 c'est 18. Donc la racine carrée de 18 qui est égale à 3 racines carrées de 2. Et comme le produit scalaire de deux vecteurs AE, AB, est égal à la distance AE fois
la distance AB fois cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs AE et AB, alors, et je remplace AE scalaire ABCNF qui est égal à AEC3 fois ABC 3 racine carrée de 2 fois le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs AE et AB. Ceci équivaut à le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs AE et AB est égal à 9 sur 9 racine carrée de 2. Et je réduis par 9, ça donne cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs par l'angle orienté formé par les deux vecteurs AE et AB est égal à 1 sur racine carrée de 2, qui est égal à racine carrée de 2 sur 2. Ceci équivaut à le cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs AE, AB, ou bien je peux passer directement au résultat. Donc, vous savez que le cosinus de pi sur 4 est égal à racine carrée de 2 sur 2. Donc, une mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs AE et AB est pi sur 4. Bien sûr, il y a une infinité de mesures, mais on prend l'une de ces mesures que vous connaissez, c'est pi sur 4. Le cosinus de pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourzeitoun, Marrakech. À très bientôt.